Ciao Luca, grazie per essere in diretta. Il mio italiano è cattivo. Al momento è buono. Possiamo parlare in francese? Se devo, ok. Merci Luca. Si è necessario, je vais parler français. Avec Merci. mon français, c'est pas clair. Si, Pardonne si. tout. Alors, j'ai eu Lucas hier au téléphone et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème. En France, Lucas, on applaudit en ce moment les médecins à 20h pour les féliciter pour leur travail. Je pense qu'on peut t'applaudir à 18h31 parce que faire un live dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est vraiment très fort. Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Lucas, j'ai une première question pour toi. Quelle est la vitesse maximale que tu aies jamais atteinte en foil? Alors, Sur un kite foil, hein. non, avec les questions, non, avec rien du tout. Alors, comme j'ai déjà dit hier ou toi, moi, jamais navigué en foil, en kite, en ma vie. Et c'est ça qui est Non, fou. non en foil, hein, en kite. Rien du tout. Je Voilà. suis capable de prendre le voile dans la plage, de récupérer. Ouais, et c'est tout. Je travaille avec ça des 104 années, mais jamais. J'ai navigué avec tous les bateaux du monde, dans l'Atlantique, dans tous les courses des monotypes, des Libera, Garda, Lake, tous les bateaux. Mais jamais un kite. Et la première fois que je vois les régates des kites, je dis, non, c'est impossible que les kites ils vont faire les régates. C'est un casino, hein, le voile. Ouais. C'est vraiment joli. Donc, si on résume, tu es un des concepteurs d'un des meilleurs foils de race du monde et tu n'as jamais fait de kite. On va explorer ça dans un petit instant. Est-ce que, Lucas, tu as déjà entendu parler du projet Foilidaire? Je vous, par Facebook, je n'ai pas le temps de regarder les directs, Alors, les lives. J'ai effectivement. regardé qu'il y a Mazel. J'ai travaillé avec lui. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors, je vais te présenter rapidement le projet Foilidaire. En fait, le projet Foilidaire, c'est un fundraise, donc je lève de l'argent pour une association cette année qui s'appelle Imagine for Margot et qui œuvre pour la recherche sur le cancer des enfants, la maladie. Et pourquoi je dis ça? Parce que, dû aux circonstances de cette année, 100% de la recette sera reversée à Imagine for Margot et je tiens à remercier encore Clément qui hier a fait un don. Donc vous pouvez aller voir si vous en sentez le cœur, c'est défiscalisable et c'est sur projet-foilidaire.fr. L'autre manière de soutenir le projet, c'est de s'abonner à cette chaîne. Ces lives ont beaucoup de succès et donc merci pour ça. Lucas, hier on a parlé un petit peu et tu m'as dit que faire des foils, c'était pas ton métier. Non. Mon métier, ça veut dire en français super pompier. Pompier. Si vous allez Fireman. voir le Facebook de Lucas Filippi, vous verrez que son employeur, c'est le ministère de l'Intérieur et qu'effectivement, il est pompier. Mais ça veut dire que donc, si on résume, tu ne sais pas faire de kite, tu fais un des meilleurs foils du monde. Et c'est même pas ton métier principal, c'est ça? Maintenant, c'est possible que je vais arrêter les super-pompiers. Non, je suis fou avec ce travail maintenant, oui. D'accord. Non, mon premier métier, c'est 23 années que je travaille dans les pompiers. C'est c'est beaucoup de Ouais, temps. c'est beaucoup, ouais. Et dans ma vie, j'ai travaillé beaucoup de temps avec les voiles. J'ai travaillé chez Norsails pour 4-5 années. Et j'ai travaillé avec Ullmann Sail. Et j'ai fait les courses pour mon travail. J'ai fait toutes les régates partout avec les Mont 30, les Merges 30, Merges 24, toutes les classes et les classes grandes. J'ai fini comme que j'ai fait les pompiers, j'ai fait les régates seulement pour hobby. D'accord. J'ai travaillé, j'ai navigué beaucoup avec les multicoques.
OK. Je suis capable de le construire en carbone parce que j'ai travaillé pour un ingénieur, j'ai fait la regia, je ne sais pas comment se dit en français, et les tramités avec, contre les ingénieurs et les chantiers pour l'ordination du matériel, l'organisation du playbook, toutes les choses. Et alors, quand j'avais fait les multicoques, j'ai travaillé les fer des rives, des safranes. Une fois, j'ai travaillé pour une usine de foil qui c'est chez moi, Moses. D'accord. Donc, Moses, il est parti à faire les foils. La première fois qu'il a fait les foils, ils ont demandé lui, tu vas faire ça pour moi? Il a cassé tout, il a demandé moi, quand il sait faire ces choses. Et j'ai essayé pour lui, j'ai fait des tests, des petites choses. Pas beaucoup, hein. D'accord. Ils sont passés des années. Mon ami, il a montré un foil et j'ai dit, mais j'ai déjà vu ça, cette foil. Il m'a dit, j'ai regardé ça et je suis entré dans ce circuit de kite, de tout. J'ai ouvert Banga. Je suis Et parti alors, avec. du coup, Banga, c'était le pro, parce que j'imagine qu'il y a un lien avec Shubanga. C'est quoi? C'est le premier foil ou première marque? La première fois, la première marque que j'ai construite C'était en quelle avec année mon ça? ami qui l'a payé tout l'argent pour les projets, pour toutes les choses. Nous avons fait les bangs dans les 1996. D'accord. Oui. Mais il y avait déjà des kites Et à ce moment-là? pardon? Il y avait déjà des kites? Oui. Nous avons fait les kite foils. Nous avons gagné le mondial avec Maxime Nocher en Chine. D'accord. En 96. 96, Ok. oui. Et l'année suivante, non, les mois suivants, nous avons gagné aussi en Qatar. Ok. Et Et tu étais dans les premiers à te lancer dans le marché du foil. oui. Et du coup, vous avez gagné les premières courses. Et quelle est l'histoire de... Du coup, j'imagine que si aujourd'hui Shubanga existe, c'est qu'à un moment, Banga tout court a dû disparaître. Disparaître, oui, c'est disparu. Qu'est-ce qui Je s'est suis parti passé? avec Banga, avec un partenaire qui a payé l'argent, toutes les choses. Nous avons pris différents, parce que pour lui aussi, ce n'est pas le premier travail. Il travaille avec des matériels plastiques pour les boiteaux, la Protect Tape. C'est une marque, il a le monopole dans tout le monde pour la protection des boiteaux, boiteaux de course, dans les tours. Pour tout le bateau de tout le monde, America's Cup, tout. Il s'est retourné dans son travail. Moi, je suis allé à Dubaï. J'ai ouvert Inater. Nous avons fait six mois avec Bang en Italie. Six D'accord. mois, j'ai fini avec Bang. Je suis allé chez Inater. J'ai travaillé Et pour Inater. c'est parce que tu es parti chez Enata J'ai que tu fermé as fermé Bang, Banga. D'accord. oui. Ok. Je Ok. suis allé à travailler avec Inater. J'ai travaillé 11 mois avec Enata. Ok. Et tu étais à Dubaï? J'ai travaillé à Dubaï, j'ai formé les chauffeurs-pompiers et j'ai travaillé pour 11 mois. Oui. D'accord. Ok. Ok. Je suis retourné, je suis reparti avec mon marque, c'est pas Bang, j'ai fait Chu Bang, c'est même qui non en anglais, non? Due Bang, ma c'est pas Due Bang, c'est Chu Bang. Ok. Et la Chu Bang, c'est la, je sais pas come si dice, la pipa con le. Pour la ganja, la chubanga. Si tu vas regarder Pour chubanga, fumer? oui, D'accord. c'est l'arbre qui s'appelle D'accord. chubanga. Ok, d'accord. Et pourquoi seulement 11 mois chez Enata? Différents visuels, De vision de com... idée de D'accord. travail et tout. D'accord. Ok. Et Nata existe encore aujourd'hui? Ils font des foils? Avec les foils, non. Ok. Il a essayé de registrer, mais il n'en fait pas rien de neuf. C'est la vieille main, je vous. On a enregistré en avion seulement, mais il n'y a D'accord. pas d'athlète dans la compagnie. Il s'est fermé tout. Et du coup, quand est-ce que tu as lancé Shubanga? C'était en quelle année? C'est une année et demie. D'accord. Mon problème, c'est la mémoire.
J'ai beaucoup de contacts tous les jours. Je pense à tout le monde, à toutes les choses. Je vais oublier tout. Mais Donc, c'est pour ça, si cette information est juste, tu pourras venir re-regarder ce live et te rappeler des dates. On est là aussi pour figer l'histoire. Et du coup, tu crées Shubanga, donc il y a 20 ans. Pardon? C'était il y a 20 ans, donc, du coup. Non. 20 ans? 20 Qu'est-ce years? Tu as créé non, bientôt. Shubanga en 2000, tu m'as dit. Non, non, c'est 2018. C'est 2 années D'accord. seulement. Ah, Non, d'accord, c'est ok. seulement 2 années. 2 années. Ok, d'accord. Encore. Et donc, ça c'était juste après Enata ou pas? Juste après Enata, oui. D'accord. Suivante Enata. Et ma question. Banga, Enata, Chubanga. D'accord. Et ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne comme toi qui ne pratique pas le kite, ni le kite foil, persiste à développer des foils? Qu'est-ce qui t'attire? Pour moi, la première chose, c'est la sfida. Je ne sais pas comment se dit en français. La La vitesse? compétition Ah, entre les autres. Première d'accord. chose. J'ai travaillé beaucoup d'années avec les voiles. Et bon, dans les voiles, si tu veux gagner, tu veux faire des voiles pour la croisière. Ok. Ou gagner de l'argent. Oui. Moi, je suis de l'idée que moi, j'ai la satisfaction de faire le travail. La satisfaction. Et aussi pour les kites, pour les foils. Je vais travailler avec les foils de course. Ça ne va pas gagner beaucoup. Il y a beaucoup de ruptures, beaucoup de garanties à changer tout le matériel. Mais quand tu vas gagner, la satisfaction, c'est vraiment. D'accord. Et pour essayer les foils, première, il y a Mario Calbucci, Ouais. qui c'est chez moi. Il Ouais. habite à 4 km d'ici, 5 km, c'est de Rimini. Ok. Le problème ici, c'est les conditions météo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ce sont Ok. des conditions pas bonnes du tout. Ok. Mais c'est déjà ici, c'est vite aller tester toutes les choses. Quand il n'y a pas les vents, nous allons au nord, au sud, ou dans le lac de Garda, Mais, en Sardaigne, dans l'hiver. et du coup, ça veut dire que tu améliores et tu développes tes foils uniquement en fonction de ce que te disent les gens qui Exactement. testent. Oui. Quand je suis parti avec Banga, j'ai travaillé 18 mois en année et demie. Pour développer dans le premier modèle que nous avons fait, et seulement le premier prototype, j'ai pris Mario Calbucci. Mario, il a essayé la première fois en foil avec les miennes. D'accord. Et lui, je vais donner des foils qui, avec des autres personnes, s'ils vont essayer, ils vont dire non, absolument, c'est pas navigable ça. Mario, c'est bon, c'est tout parfait. Et pour moi, c'est un chaos parce que j'ai pas des testeurs qui me va dire à corriger toutes les choses, non? Le son est Ouais. trop. Et suivant, j'ai fait essayer avec des autres, et un autre qui l'a développé, c'est Beverino, l'autre italienne, et avec des autres jeunes. Nous avons développé, et je suis arrivé à ça. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup des athlètes qui naviguent avec ça, et j'ai beaucoup de Seb Quinn, et maintenant, c'est un qui Oui. va donner moi beaucoup d'impressions, les tests, les tunings, toutes les choses. Fais attention avec Seb Kenney, hein. Méfie-toi de ce mec-là. C'est dangereux, hein? Ouais, il Oui, est c'est dangereux dangereux. celui-là. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis Oui. d'accord. Et du coup, donc tu as sorti une première version, donc la V1 qui a été suivie de la V2. Et aujourd'hui, tu présentes le V3. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup du V3 à la fois dans ses améliorations techniques et dans ce que tu voulais faire avec avec ce nouveau foil? Je fais avec ce nouveau foil, j'ai amélioré les voûteaux D'accord. beaucoup. J'ai pensé que c'est pas possible d'améliorer ici Ok, vraiment parce que. parce que nous avons fait des steps déjà un grand step entre les voûtes et les voûteaux. D'accord. C'est naturel parce que les voûtes c'est seulement les vieilles Banga Enata. D'accord. Enata c'est l'avion de Banga. Nous avons seulement changé le fuselage, qui c'est plus grand, plus rigide, et un nouveau mât.
OK. Avec les Wuhan, c'est pareil. Nous avons fait les mêmes avions parce que c'est les mêmes, c'est mon projet. Le projet, c'est de Giorgio Provinciali, c'est un Italien. Et nous avons fait nouveau mât et j'ai créé les Wuhan. Suivant, j'ai fait les Voodoo avec les mêmes mâts et j'ai fait un avion qui c'est déjà complètement différent pour la navigation, pour les vitesses, c'est plus ou moins pareil. Il n'a pas amélioré beaucoup entre le Voodoo et le Wuhan. Mais il a amélioré le confort, la stabilité, toutes les choses. Et les V3, nous avons essayé, nous avons changé tout maintenant. Les profils du mât, les profils des ailes, la configuration, tout. Et du coup, t'es parti de quoi? Enfin, t'es reparti d'une feuille blanche? T'es reparti? Non, de feuille blanche, non, parce que nous avons déjà le Voodoo, nous avons essayé de faire un projet avec des améliorations. Nous avons choisi entre deux. Et il a fait un grand travail, Simone Bartesaghi et Charles Daynaud, c'est un Français qui travaille pour moi aussi, D'accord. pour moi. Et ils ont fait beaucoup de travail avec les computers, Ouais, les l'aérodynamique, véhicules. des logiciels. On a Le vu logiciel, oui. des images effectivement du V3 avec les contraintes. Maintenant, Ouais. ces tests sont impressionnants, vraiment. D'accord. La première fois que nous avons travaillé avec Banga, je pense que nous avons travaillé pour première avec cette fichier, ce programme ici. Et le programme, les VPP, il ne marche pas avec les foils la première fois. Nous avons retourné le programme chez la maison qui l'a construit, qui l'a OK. aidé. Pour dire, OK, ça ne marche pas. Et maintenant, tous les programmes, ils marchent avec les foils parce qu'il y a l'Americascap qui c'est le premier marché pour cette chose. Non? Un ingénieur, Giorgio Provinciali, c'est l'ingénieur qui maintenant il travaille pour America Magic, c'est un des ingénieurs pour foil. Et c'est la tête qui va coordonner tout. Combien de V3 tu penses produire dans une année? J'espère plus possible. Mais du coup Bon, là. j'ai déjà vendu vraiment beaucoup. C'est impressionnant, c'est fou. D'accord. Et du coup, t'as aucune projection et limitation. Tu fais comment? Tu réponds directement à la demande? C'est-à-dire tu reçois une commande, tu fabriques le foil. Est-ce que tu as un stock d'avance? Maintenant, alors, avec les problèmes de Corona, c'est un chaos maintenant. Ouais, pour tout le monde, Okay. hein. Aussi pour les tests, pour toutes les choses, nous avons testé. Je n'ai pas fini de tester toutes les choses parce qu'en Italie, c'est parti avant de tous les autres pour la France. La France, il n'y a pas de problème. En Italie, oui. Et OK. dans ma région aussi, ma région, il a fermé 15 jours avant à l'autre Italie, D'accord. Lombardia et Emilia-Romagna, ma ville, c'est fini. Ils ont fermé tout à fin de février. À début de mars, ils ont fermé tout et pour nous c'est un cas parce que j'ai eu les moules fermées dans son usine. J'ai récupéré les moules. Je suis allé à travailler avec un usinier qui travaille au bas de la maison. C'est tout fermé, c'est un cas. Mais maintenant j'ai aussi une nouvelle usine. Je suis à ouvrir la nouvelle compagnie. Ouais. Je vais fermer ici à Rimini. Je vais ouvrir une nouvelle compagnie à San Marino. D'accord. OK. San Marino, c'est à 20 km d'ici. OK. L'autre jour, on a eu Damien Chabou de chez Alpine Foil sur le live qui nous a dit que il faisait ses fuselages. Donc le fuselage, tu sais, le fuselage c'est Je tu connais. vas rigoler. Allez, une petite illustration personnelle. Donc le fuselage là, donc cette partie-là, là. Belle, quelle, c'est Ah, vraiment joli, c'est quoi? je sais. On en reparlera dans 5 minutes. Il a dit qu'il les faisait en aluminium ou en titane parce que le carbone, à la longue, à force de jouer, il perdait sa rigidité. Est-ce que tu peux? Absolument, c'est pareil. Absolument. Le carbone, il n'a pas la mémoire et la fatigue. Absolument, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que ce soit un Shubanga ou le Daytona que j'utilise de chez Duotone, sur
toute sa durée de vie tant qu'il ne prend pas des impacts S'il n'y a forts. pas de problème de fracture, Ouais. le problème c'est s'il y a une fracture, si c'est pas de lamination, toutes ces choses. Sinon, il n'y a pas de problème du tout. Le problème de la résine, c'est seulement la lumière, non? Il va créer dans la surface, quand il est en carbon fiber, Ok. le look, il va. Les couleurs, c'est jaune, mais c'est seulement les couleurs, c'est pas les caractéristiques. Il n'y a pas de dommages. Donc un foil. Le mât de boiteau, non? Le mât de boiteau, il n'y a pas de problème. L'aluminium, oui. D'accord. L'aluminium, si tu vas forcer, il y a la fatigue. Ok. Le carbone, absolument non. Ok, ça c'est intéressant d'avoir des points de vue différents et des théories. Du coup, c'est difficile de non, savoir. C'est pas mon théorie. Hein. Si tu vas chercher, c'est ici. C'est pas mon idée. J'ai reçu pas mal de questions de personnes qui, à la fois sur la fabrication d'un foil et sur le V3. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions que vous auriez, à la fois sur la vie de Lucas, sur Shubanga et sur le V3. La première, c'est un petit règlement de compte. Gaspard voulait te commander un V3 et tu lui as dit que c'était pas possible parce qu'il était encore trop gros. Tu te souviens ou pas? Gaspard, c'est gros. Ouais, c'est ça. C'est hein. lourd. Ouais, c'est lourd. Oui, oui, c'est trop. Vrai, c'est lourd. Ok, donc Gaspard. Je vais renforcer pour lui. Gaspard, on te fera une série spéciale pour toi. Ne fais pas l'ordre, Gaspard. Du coup, la question de Gaspard, c'est est-ce que Seb Kenney va devenir un bon foleur grâce au V3? Avec les deux, non? Bah, apparemment, non. Apparemment, non. Le V3, c'est vraiment complètement différent. C'est vraiment une surprise aussi pour moi. C'est pas pour vendeur. Je suis pas un grand vendeur. Ok. Alors, justement, du coup, j'ai une question de Gaspard qui me demande. Quelle est la vitesse maximale, le speed, atteinte avec un V2 et avec un proto de V3? Mario, c'est une des personnes qui a navigué plus avec les Bonfoy. Avec les Voodoo, il arrive à 38, 38,5, pas plus. Le premier jour qu'il a essayé le V3 avec Von. Il y a 25 nœuds de vent pour moi, pas beaucoup. Et il y a beaucoup, beaucoup de houle. Ici, c'est une journée difficile. Mm. C'est arrivé immédiatement à 41,7. La première fois, avec les vieilles mâts, avec un avion qui s'est pas prêt, avec beaucoup d'angles entre les ailes. Et maintenant, il a le calage entre les ailes, qu'on s'appelle le calage. Oui, oui, le calage, ouais, le calage. Le calage entre les ailes, c'était moins maintenant. C'est okay. plus glisse. C'est encore amélioré sur le monde. Et le nouveau mât aussi, c'est complètement différent. Il a essayé avec les vieilles mâts, Mario. Mais et alors, c'est complètement, c'est beaucoup, beaucoup plus vite. Mais la même stabilité, c'est ça. Mais est-ce que c'est plus vite pour lui? C'est-à-dire que lui, finalement, il n'était pas parfaitement à l'aise avec le V2. On en a beaucoup parlé avec Axel Mazella et Théo de Ramcourt. Et ils disent qu'un des secrets de la vitesse en foil, c'est d'être confortable sur son foil. Oui. Et est-ce que du coup, ça veut dire que Mario, en l'occurrence, n'était pas complètement à l'aise avec le V2 et il est mieux avec le V3, ou ça veut dire que c'est vraiment les qualités du V3 qui... Ah, la qualité. Nous avons fait beaucoup de tests avec, fortuneusement, je suis allé en Sardaigne et 15 jours avant tout ce chaos de Corona. Oui. Fortunatamente. Et nous avons fait une semaine de test et le jour final, il a essayé de la première V3 et nous avons là 4 ou 5 protos. Les mêmes mâts, deux mâts et plusieurs protos. Et en Sardaigne, je suis allé chez la base de Luna Rossa pour couper les prototypes, rincoler. Je travaille chez Luna Rossa pour modifier encore. Et le dernier jour, il a navigué avec les V2. J'ai dit lui, pour plaisir, tu vas naviguer avec les Voodoo pour essayer la différence. Il est retourné, il a dit une parole que toi, hier, il m'a dit que je ne sais pas dire. Il a dit, non, absolument, c'est complètement différent, c'est une... Puntini, puntini. Bon,
Il a dit que vraiment, c'est complètement différent. Aussi, les charges sur les jambes, OK. c'est plus presque au max lab. Mon voodoo, c'est beaucoup de pression à point avec les pieds arrière et beaucoup de pression avec la jambe avant dans le wind. Le D'accord. max lab, c'est plus balancé, c'est mieux, OK. c'est plus facile pour ça. OK. Ça, maintenant, c'est beaucoup plus prête au max lab comme sensation. Ouais. Dans la glisse, c'est encore supérieur. OK. Mario navigue aussi avec les Bullet 3 parce qu'il fait les régates pour la Formula Kite avec les Bullet. J'ai essayé d'acheter en Enata, mais c'est vraiment pas vite. Et nous avons acheté les Bullet 3. Il connaît très bien. J'ai Maxi qui voudrait savoir s'il existe une possibilité d'ajustement de l'angle d'attaque de l'aile arrière du V3 comme sur un Mike Slab. Alors je savais pas qu'on pouvait... On peut régler sur un Parce Mike que le Slab? système de la connexion entre les mains et le fuselage, c'est j'ai fait différents angles, c'est pas possible d'interchanger entre le Max Lab et le mien, mais c'est vraiment intelligent, c'est-à-dire français, Intelligent. intelligent. Ouais, bien Et pensé. intelligent ce système parce que si tu vas mettre des cales entre la base du mât, et du fuselage, si tu vas Ouais. mettre un petit cal arrière, il y a moins d'angle entre les stabs et l'avant. Si tu vas mettre la cale au milieu, quand tu vas mettre, oh, ça c'est le bas, ça c'est fuselage. Si tu vas mettre en épicelle au milieu, il va changer l'angle Ah, du tu joues stab. sur la flexion du La carbone? flexion du fuselage, oui. Et Ah, avec ça, je c'est savais. possible de changer. Ok. C'est plus facile pour les tests, pour exemple, non? D'accord, ok. Parce que si tu vas tester avec ce système, avec mon avion, je vais couper le fuselage, recoller Ok. Ouais, le carbone, ça me ouais. travaille. Ok. Avec ça, c'est seulement à mettre des cales. Ok. C'est facile et c'est intelligent. Donc, en fait, À donc tes conditions. la réponse est oui. On peut Oui, ajuster? oui, oui. Oui. J'ai rappelé Stefano Morris pour dire lui, Stefano, je vais copier ton système. Maintenant, il a copié tout le monde. Seulement moi, encore non, je vais copier. OK, tu es la première que tu viens de dire au moi que tu veux copier. Ok, J'agrède. OK, pas de c'est bon problème. aussi. Ok. Alors, il y a une question qui est intéressante, qui a été soulevée par Théo de Ramcourt sur le fait que les Mike Slab, d'un modèle à l'autre, même si c'est le même modèle, il peut y avoir des variations de performance. Comment est-ce que toi, tu fais pour limiter cette variation de performance? Dans le même modèle, il va dire. Oui. Ah, non, maintenant, j'ai vu ces choses. Oui, c'est vrai, parce que je connais très bien tout, tous les athlètes de Max Lab, et ils ont plusieurs fois ce problème, qu'une fois, ils naviguent bien et une autre, absolument non. C'est possible, parce que aussi pour les miennes, cette fois, c'est ici, mais c'est seulement à penser le bord d'attaque. Oh, ces petites choses. Maintenant, la production, c'est au niveau des doublés. A fait tous les modèles, tout parfait. Maintenant, avec les systèmes que nous avons, les dernières 80 fois que j'ai fait, les mains, ils sont maximum 0,15 mm de différence entre les D'accord. autres. Ils Ok. sont absolument parfaits. En année arrière, non. J'ai beaucoup de mains qui sont beaucoup épaisses, je ne sais pas par qué, parce que ils ont un problème de ventilation. J'ai fait la change en garantie avec plusieurs D'accord. clients. Ok. Maintenant, ils sont tous standards, ils sont tous pareils. Tu connais Chris Ballois? Chris? Ouais, c'est un rider français qui il lui manque une partie du bras et il fait de la vitesse. Il voudrait savoir s'il est possible d'adapter le V3 avec une fixation en platine. Non, c'est à mettre en adaptateur parce que j'ai fait seulement la tête tâtonne, coupée. Le même système de Mike, coupé horizontal. D'accord. Parce que maintenant, tous les vidéos que j'ai vendues, les 75%, j'ai coupé la tête. Alors j'ai fait ces standards maintenant. Les planches sont plus petites. D'accord.
C'est possible avec l'adaptateur. On a Cyril qui dit on est nombreux à aimer les sensations du V2 et qui craint que les sensations du V3 soient très différentes, comme tu l'as dit. C'est comme ça? J'ai pas compris très Il bien. est, La sensation dans les pieds, il aime, ouais, navigation. voilà, c'est ça. Il aime le feeling de navigation du Oui, V2 et il a peur c'est ça qu'avec le que. V3, il y ait une trop grosse différence. Oui, c'est strano parce que nous avons fait un foil qui c'est beaucoup plus glisse, mais vraiment beaucoup. Mario, si tu vas regarder les traces, c'est complètement différent entre les deux. Mais il a même stabilité de vieille. C'est même stabilité. Le successo, Le succès. Ouais. le succès de Voodoo, c'est que c'est un foil vraiment facile, plus stable pour tout. Le Mike Slab, c'est plus vite. Oui, c'est vrai. C'est absolument plus vite. Il a des Vmax supérieurs, mais D'accord. c'est plus difficile, c'est plus instable. Pour D'accord. les riders normaux, c'est mieux un foil un petit moins vite, mais beaucoup plus stable. C'est D'accord. plus facile d'arriver à la top vitesse. Ok. Les top riders n'ont pas de problème. Tu vas Oui. réduire les calages, ils marchent sans problème. Ok. Les autres, non. Ok. Question de Pierrick qui voudrait savoir, le nouveau mât, il est plus court que l'ancien? 106. Et l'ancien était à combien? 110. Et pourquoi? J'ai gagné en rigidité beaucoup, beaucoup. D'accord. Et avec ces gains en rigidité, j'ai fait en différentes sections plus vite de la vieille. C'est une D'accord. section qui est plus flexible et ce n'est pas possible avec les mains longues. Ok. Et aussi, parce que ce n'est pas plus nécessaire les mains très longues, parce que les mains longues, c'est né pour les voants. Avec D'accord. les winglets, ce n'est pas possible de sortir de l'eau. Ok, oui. Avec cet avion, il n'y a pas de problème. Tu peux Ok. sortir sans problème. Ok. Ici, ce n'est pas nécessaire, toutes ces longueurs. C'est plus facile, plus stable, plus Ok. compact. Ensuite, j'ai une question de Néour qui voudrait savoir si le nouvel avion du V3 est compatible avec le mât du V2. Non, parce que la connexion, c'est différente. D'accord. Le Frédéric qui voudrait savoir si le V3 sera homologué ICAO. Oui. J'attends de comment j'appelle la visite, l'inspection de ICA chez l'usine de production, quand il va ouvrir ses problèmes de corolla, qui fait la visitation pour le V2 et V3, tous les deux. D'accord, ok. À propos de l'ICA, est-ce que c'est une grosse contrainte pour une personne comme toi de faire homologuer des foils? C'est un casino. C'est-à-dire? Un chaos. Ah, parce qu'en plus de ce que j'ai compris, il faut quand même livrer beaucoup de secrets de fabrication, leur donner des plans, des Non, si, ça. Maintenant, j'ai travaillé avec sur le Monton Mule et nous avons fait tranquillement 22 fois pour moi. Maintenant, j'ai fait une nouvelle usine chez moi pour la production et je vais Ouais, doubler. ouais. Et tranquillement, si je le fais trois, il n'y a pas de problème pour faire le numéro de 50 pièces pour le modèle. Pas de Ok. problème. Gaspard encore voudrait savoir comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'Evitas sur le créneau des foils de race compétitifs. On a vu Théo performer avec. Quel est ton ressenti sur ça et le J'attends de les voir dans l'eau. Non. J'ai vu déjà à Jizzeria l'année dernière avec Florian Gruber. Et c'est vraiment vite, mais seulement dans les petites conditions, avec la mer flat. Ok. Et c'est vraiment beaucoup, pas la vitesse, c'est l'angle. Il a beaucoup plus d'angle des autres. Ok. Vraiment beaucoup. Quand il y a les mers. Et beaucoup de houle, il navigue pas. Maintenant, j'ai vu que Théo, il navigue très bien aussi, Ouais. avec des autres conditions, mais c'est Théo. Je ne sais pas avec les autres, parce que au Mexique, par exemple, il y a été Florian Gruber, il navigue aussi, mais c'est arrivé comme les autres.
Ce qui veut Théo, dire qu'il a travaillé tout l'hiver, il a entraîné pour le Flyser, faire pour le foil, toute l'année, il a navigué toujours. Théo est actuellement en train de regarder ce live. Si tu peux nous dire un mot en commentaire sur le Levitas dans des conditions un peu plus musclées, ça pourrait intéresser tout le monde, je pense. Et d'ailleurs, j'ai une question de Théo. Il pose la question. Alors après, apparemment, ça a été contredit dans les commentaires. Pourquoi personne n'a navigué avec le V3 à la Ventana? Parce que je ne suis pas prête. D'accord, tout J'ai simplement. expédié un des premiers protos à Benoît Gomez. C'est arrivé directement au Mexique. Benoît, il a essayé. Il m'a dit non, je suis à la dernière minute, je navigue pas. D'accord, ok. Je n'ai pas le temps de finir tout. D'accord. Question intéressante de Boris qui dit du coup, qui va un peu dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure. Levitas fait le choix d'avoir une connexion en inox avec l'aile arrière. Est-ce que tu peux nous donner ton avis d'ingénieur sur ce choix technique? Levitas, c'est une usine qui a beaucoup d'ingénieurs, Ouais. très capables pour toutes les pièces, tous les designs, toutes les choses sont vraiment top. C'est rien à dire. Et pour moi, c'est déjà difficile d'essayer à trouver un ingénieur pour faire les designs CAD. C'est un casino. Moi, je suis petit. Je Ouais. travaille jour et nuit, toutes les heures. Mais du coup, Du coup, la solution, je ne sais pas, je n'ai pas d'accord. vu Ok, directement. d'accord. Ils Ok. ont fait le même système avec les vieilles aussi. Ils ont Ok. fait un système, je pense que c'est possible de changer l'angle, mais je n'ai pas vu. Ils m'ont dit. On a Pedro Marcos qui est là. C'est un rider portugais que je connais Je pas, mais qui a connais. déjà poser des questions sur le live. Frédéric, il voudrait savoir, il y a eu un moment où tu faisais des planches Shubanga, alors c'est peut-être encore le cas. Est-ce qu'il y a une planche qui est prévue avec le V3? La même planche, en plus, nous avons en outre. J'ai reçu aujourd'hui le design. Ok. Il va construire pour moi, il va construire Grove. C'est le D'accord, constructeur. gros. Ok. Les vieilles, en plus, c'est neuf, tous les deux. Ok. Si vous avez des questions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Lucas, merci infiniment d'être passé. Bravo d'avoir fait l'exercice en français parce que je pense encore une fois que c'est pas évident. Et du coup, si on veut l'essayer, on fait comment? Essayez le kite. Non, le foil, le V3. Toi? Bah oui. J'ai Je suis un, expédié. je suis un, je suis quasiment un pro rider. Écoute, je fais le kite tour Toi et le défi où? kite, Toi monsieur. où? Moi, Toi où? j'habite à Paris. À Et tu Paris. navigues où? Et Nord, je Sud? navigue dans le nord de la France, en Normandie. En Normandie. Mais je verrai Déjà avec. vendu pareil. Beaucoup, déjà vendu beaucoup au nord de France. Là-bas, eh ben, écoute, je vais essayer de trouver un rider. S'il y a un rider qui est prêt à. Ah, alors attends, il y a Théo qui se réveille. Si un rider qui est prêt à me faire essayer son foil, il craint rien hormis le fait que j'irai pas très vite avec. Pedro. Hola Pedro. Eu também falo português. Pedro voudrait savoir si la position du foil sur la board est toujours la même. C'est avancer le strap dans position 25 mm plus avant. C'est la strap arrière dans le V1, dans le V2, c'est dans la première et le deuxième trou. Et maintenant, c'est entre le deuxième et le milieu de la tête. C'est avancer dans position seulement. La vieille planche, c'est pareil. Et les planches de Max Lab sont parfaites. Ok. Suite à ce que je t'ai dit sur le fait que je voulais faire une vidéo sur le V3, Gaspard est aussi intéressé, mais on lui rappelle qu'il est trop gros pour rider sur ton foil. C'est des renforcés. C'est pour lui et pour un autre client qui s'est renforcé. Et écoute, c'est tout pour moi. Lucas, merci infiniment d'être passé. Et bravo, franchement, je suis, en découvrant un peu le monde du kite, je suis vraiment impressionné par tous les gens passionnés qui comptent pas leurs heures pour faire grandir leur marque. Donc n'hésite surtout pas
à revenir, si tu veux prendre la parole auprès d'un petit paquet de Français, tu seras toujours le bienvenu ici. Ok, merci. Merci à Salut tous à et ciao. tous, abonnez-vous. Et puis, ah si, attends, il y a une annonce quand même. Lundi, on va féminiser un petit peu les lives puisque nous aurons Angélie Bouillot. Alors, je ne sais pas si tu connais, toi qui es dans le monde du Angélie foil. Bouillot, non. C'est une Française qui fait du big air et qui était au King of the Air cette année. Ah, ok. Voilà, donc abonnez-vous et je vous dis à lundi, je me fais mon petit week-end de.